Et c'est parti mon kiki, nous continuons Alien Firefam Elite, ce jeu super qui est très gai à jouer et à regarder. Alors les opportunités du jour. Tu es deux guerriers xénomorphes. Ça c'est les prétoriens je crois. Et terminer n'importe quelle mission priorité numéro 1. On va faire ça. En même temps, la truc de la semaine, on va utiliser le démolisseur pour faire une mission de campagne démolisseur. Priorité numéro 1. Oh mais c'est là que notre petit Necker. C'est avec le petit Necker! On va se le faire, le Necker! Alors, on est en intense, bien sûr. Est-ce que je suis bien avec le démolisseur? Oui, c'est tout parfait. Ah, bon, là encore, skinné. J'ai peut-être changé son casque. J'ai envie de me mettre un autre casque. Un dé à voir. Ah, c'est une casquette, ça. Oh, tactique. Et là? C'est pas le même que j'avais là. Non, pressurisé. Ouais, je vais garder celui-là. Je vais garder celui-là. Comme celui-là, finalement. Ok, on a les armes. On a les armes en métallisé, c'est ça? Ah non, je l'ai pas en métallisé, lui. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas en métallisé? Ah oui, j'ai mis ça. Alors, on voit pas bien. Je vais le mettre en métallisé, tiens, pour changer. Métallisé. C'est pas ça. Ah merde, c'est l'esprit ceux-là. Ah, je le trouve plus. Tiens ça. Ah, c'est joli aussi. Hein. Moi, j'aime bien les skins comme ça. Mais on va faire. On avait dit qu'on ferait. Plaqué chrome, voilà. Ah, mais juste au-dessus finalement. Plaqué chrome, voilà. Ah, un peu plus stylé, plaqué chrome. Ça jette mieux là. Plaqué chrome. On est les deux plaqués chrome. On va se faire la mission. Ah oui, cette arme, elle était à quel niveau? Ah ouais, je l'avais presque maxé. Ah, cool. Cool, ça tire comment déjà, ça? Ouais, ça me sert. Hein. Ok, d'accord. On va y aller. Priorité numéro 1. On va faire un Necker en intense. On va se prendre une petite carte de défi sympatoche. You're boarding Katanga, a derelict orbital refinery. Ingress is via the forward airlock. You'll locate, secure, and evac Dr. Tim Honiger, a Wayland neutron scientist. Mount up, people. Oh, je prends une console. Ça fait... C'est quoi qu'il a dit? Inflige 25 points de dégâts quand je saute. Ok, c'est pas grave. Bah, si, c'est grave, mais je vais essayer de pas trop sauter alors. Mais je suis prête. Qu'est-ce que j'attends? C'est pas hélas! Et ouais, bientôt 61 ans, les amis, ici. Bientôt 61. Je suis passé le troisième âge qu'on est passé. C'est horrible, hein. Toujours 20 ans dans ma tête, mais le corps fait mal de partout. C'est ça le pire. Profitez bien quand vous êtes jeune, les amis. Vous savez pas la chance que vous avez. Tracassez pas pour des conneries et profitez bien la vie. Déjà, c'est compliqué comme ça. Allez, infiltration, docteur Necker. C'est la mission qu'on connaît par cœur, Necker. Elle est pas facile, l'air de rien. Mais elle est chouette. Regardez, on ne sait jamais. Il nous ferait une blague avec la boboîte ici. C'est vraiment la bonne blague du jour quand même. Si un jour je trouve une caisse de cachette secrète là, ben voilà. Chapeau les mecs. Convient Marines. Ça prend la porte ici. Oh, c'est la chair de poule quand elle dit ça. He's the Colonial Marines. J'adore quand elle dit ça. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est comme ça. Tiens, dans ta patte. J'ai jamais trouvé non plus de cachette secrète. Je sais bien qu'il y a un objet de caché au début du jeu que vous devez trouver là. Mais je n'ai jamais trouvé de cachette secrète. Ça, c'est vrai.
Allez, go. Ça va se déclencher. À la truc d'un, à la bonbonne ici. Voilà, ici. C'est parfait. Attaque derrière. Ou pas encore. Merde. Derrière, vraiment. Allez, on cherche les cachettes. Ici. Ça sent la cachette d'alien que t'as rien vu quoi. Mince. Pas de cachette les amis. Attention maintenant. Ambush. Merde, l'explosif. Attention à gauche. Là! Merde. Oh le mec. Je vois plus. Non, pas maintenant. On fouille la pièce d'abord. J'ai pas de bobouette. Pas de bobouette. Non. Conteneur. Non. Merde, y a rien. Bon, y a pas de cachette. Oh là là. Allez, on enclenche. À gauche. I'm thinking we can track the doctor using station logs. There's a data line just starboard of your position. On les a eu? Il est ici maintenant. Merde, on a un port. Oh, ils sont trop rapides. Cachette, hein, les gars.
Putain, ils sont où? Par là. Et ici, peut-être. Ouais, hop. Ils sont où? On enclenche. Ah merde! Oh, c'était un gros lui! Merde! Je peux pas, hein. La rétalienne synthétique? C'était quoi ça? Il est où le? Il est là. Je porte mon truc là. Moi, c'est une pâteuse. Okay. Pas besoin. Allez, on y va. Oh putain, il est encore là. Il arrive. Où là? Je vois pas. Ça fait peur. Ah oui, j'ai perdu. J'ai sauté. J'ai perdu de la vie parce que j'ai sauté. Parce que ici. Oh. Des cachettes potentielles. Attention, il est sorti où? Ah, ils sortent là! Ils sont sortis du petit trou ici. Ils sont ici. Non, il n'y a pas. Rien. Pas fouillé. Non, ici, j'ai pas. Oh! Merde, là, là, là! D'où il vient, lui? Il m'a fait peur! Il bougeait pas contre le mur là. Ah, on fouille, on fouille. Oh. Ah, y'a pas. Cachette, ok. Ah, mia. Pas trouvé, hein. On a toujours une petite tourelle ici, c'est bien. Ah, d'ailleurs, c'est la mettre ici en protection de gauche. Comme ça, ça coince le côté. Je vais passer à la sulfateuse parce que c'est trop dur ici. C'est du lourd quand même. Hein. Où est-ce qu'ils vont arriver? À la droite là-bas. Oh, ici. Oh là, à gauche. Ils sont, je vois pas moi. Ah mais ils apparaissent plus d'un coup là, c'est quoi ce truc? Ah, un boss. Ça a compté ça? Oui, un prétorien. On s'arrête là.
Pas que les deux côtés en même temps, faut ouvrir les deux côtés quand c'est un peu compliqué. Ah, mais tu sors de là, non? On va quand même prendre la trousse, hein, puisque bon, on va continuer le parcours. Bon, dans les trucs, on est où? Un guerrier xénomorphe. Et, ok. Déjà fini? Okay. Allez, on est go. Voilà, j'ai pris un risque. C'est bien sûr moi qui se cache. Putain, que trouve-moi! Ah! Ouais, j'ai pris cher. Putain. Pardon. En plus, je m'en doutais, quoi. Mais je l'ai vu trop tard. J'ai voulu esquiver. Après, j'ai dit non, je peux pas parce que si j'esquive, je vais perdre de la vie en sautant. Mais tant pis. Là, j'ai fait des. C'est la grosse erreur, quoi. Je tape à gauche et à droite en même temps. À gauche maintenant. Cachette secrète, les amis, regardez, elle est là. Yes! Cette tentation, cette simulation. Bon. Par là. T'as compté ou pas? On n'a pas compté. Peut-être pas tué, c'est peut-être le bot qui l'a tué, merde. Merde, il y a un cachet. Il y a un cachet. Il est là. Attention les gars. Oh, y'en a trop. Gauche. Explosif. Ah, j'ai plus besoin de fouiller parce qu'on a déjà trouvé la cachette, donc ça c'est cool. J'ai plus qu'à m'occuper de la mission maintenant. Dans celui-ci. Oh, ça va. C'est moins caché. On va attaquer derrière, les gars, attention. Oh, il arrive. Oh, y'a un mec, je crois qu'il fait une vague. Attention ici. À gauche. Ah, y'a rien. Cool. Hey, dude, it's been over the
On est bon tonton. Attention. Ah plus de piège. Ah ouais, il y a un piège. Il est là. On utilise des attaques par là aussi, mais. Non. Ici, c'est la bataille finale de l'ascenseur. On se fait attaquer à droite. Derrière? Ah! Merde! Oh! Il m'a eu lui. Juste parce que j'ai dû recharger, j'ai pas niqué en plus. J'ai pu utiliser ma. Sentinelle. Ok. Pas trop blessé, quoi. Allez. Bon, ça c'est la bataille finale. Hein. Alors, on va mettre une petite tourette cacahuète là. Petite cacahuète là. Attends, je vais mettre une grille de protection ici, au cas où. Un peu près ça, non? Tant pis. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Une troisième tourette quand même, parce que ça va être une grosse baston. Est-ce que je peux mettre la troisième tourette ici, peut-être? Ça, c'est pas con, ça. C'est pas con, là. Ça va les attirer là, en plus. Ok, et après, je vais activer les... ça. Et... ah, j'ai pas de drone, ok. Oui, succès. On a tué les deux boss, ce qu'il fallait. Guerrier Xenomorph. Attention, on va passer de faire un petit peu d'XP les gars. On a réussi notre guerrier Xenomorph et on va finir la mission prioritaire.
Allez, ils vont rusher quand il restera 5 secondes, je crois. On va se faire rusher quand il restera 5 secondes. Allez. Oh là là. Les tourettes, elles sont mortes. Hein. La grosse tourette, là, elle est encore là. Elle reste combien de balles? Ah ouais, elle a tenu bien. Hein. C'est bon. Bien joué, les amis. Ah, ça fait une belle petite mission, là. C'était cool. Ça fait une belle petite mission, les doigts dans le nez. On a trouvé la cachette secrète. On a fait double XP. Fait du bonheur. Hein. Simulation. Temps de recherche réduit de moitié. Ça fait quoi? Pas de récompense. Ah oui, on peut recharger. Ah oui, ça c'est bien ça. Caméra tactique. Ah, ça c'est moche. Un drone, ok. On a fait que 22 000 XP avec double XP. Hein. Bah ouais, c'est normal, c'est 11 000 XP là. Là pour faire beaucoup d'XP, je trouve qu'il faut faire la troisième mission du DLC. Elle fait je sais pas, environ 60 000, 80 000 XP quand je la fais, celle-là. Avec une bonne petite carte. Avec un double XP, ouais. Ok, on est où ici? Ah bah on a déverrouillé nos deux défis du jour. Deux guerriers xénomorphes et priorité numéro 1. C'est un petit screenshot. Et on a fait la deuxième mission démolisseur de la semaine. Ok, on va récupérer nos récompenses. Et voilà, c'était pas mal du tout. Cool, cool, cool. Oh là là, on a tout du stuff hein, maintenant. Ouais, les amis, j'espère que ça vous a plu cette aventure. On a gagné, yes, yes. On a bien mérité une petite canette là. Une fois, j'ai pas mon foulard devant la bouche, je vais pouvoir bien l'avaler. Aiglou, aiglou, c'est une avaleuse. La petite danse de la Zumba, bien sûr. Voilà, c'est le moment que vous préférez, je sais, je sais, je sais. Je remercie à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à vous, vous êtes trop bien gentils. Et mission accomplie, mon colonel, jusqu'à la prochaine, yes, 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 yes.